Pauvre publicité, maman. Pour tous ceux et celles qui veulent les macabos avec les ignames. Maman, maman. Vous-même, vous donnez le nom de quelqu'un que la chèvre. Vous ne comprenez pas que la chèvre, c'est l'animal le plus têtu, maman. La chèvre, tu dis, on a préparé la chèvre dans le congrès. La chèvre a dit que je ne cuis pas dans le congrès. Maman, 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 maman Nathalie, maman, do your work, maman. Ouais, il dit que moi j'ai dormi. On m'a envoyé la rediffusion, juste qu'on m'a raconté tout. À 1h du matin, maman Nathalie Babal est en live. 1000 et poussière de personnes. Elle vous tenait toutes. Jusqu'à pipi, j'ai dit que Nathalie Babal a rendu pipi ouep. Lolo pipi est devenu ouep. Maman, maman, maman Nathalie Mba. Il y a mon enfant, c'est quoi? Vous avez fait mon abonnement à Internet? Je dis que Nathalie a enlevé le sommeil. Nathalie a enlevé le sommeil à ses détracteurs. 1h du matin, personne ne dort. Nathalie a retiré le sommeil aux ténébreuses. Jusqu'à Coco Coué, tout sort de l'autre côté en disant que alerte, alerte, Alpha 1. Déposons les armes. Il est mieux que nous procédions à une réconciliation. Enlevons, déposons les armes. Nathalie, tu les as retirées le sommeil. C'est ça, Nathalie Babali. Tu étais à l'école. Tu dis que tout ce contre toi, Redmay Bio, tu les as retirées le sommeil. Et pendant que tu clashes, tu n'oublies pas l'essentiel. Tu communiques. Parce que tu es la représentante de la marque Vitalin. Ah, ma fille! Mais Nathalie, le président, elle a gagné, elle a gagné. Maman, maman, Nathalie Mba, Redmay Bio, Nathalie Mba. Oh, Redmay Bio, Nathalie Mba, Nathalie Mba. Ouais, les ténèbres, c'est vous-même, je dis que c'est vous-même qui avez occasionné ce lynchage à ciel ouvert. Vous vous êtes dit que la toile camerounaise, c'est la dictature. Facebook n'est pas la dictature. Vous avez cru que vous toutes les vous prenez vos mots d'eau, elles vous écrasent. C'est ça, Nathalie. Tu as montré que tu es une vraie bagantée. Par la réunion des bagantées machiavéliques du village, là, tu les as tétanisés. Tu entends, non? Babalé, c'est comme ça que tu dois les traiter. Vous savez que vous avez le monopole de la bêtise, jusqu'à Mbappé, tu lèves qu'elle vient clasher la reine, mais bio. Je dis que même la locution verbale. Voilà les gens comme les Nadia, je ne vois pas qu'ils ne devraient pas faire les directs. Hein. Parce que même parler français, Mbappé, tu ne parles pas français, c'est un ramassis, c'est des casseroles. Je dis que ton vocabulaire n'est pas riche. Tu as un manque de culture générale. Tu as un manque de tout. Je dis que Nathalie Babalé te tape aller-retour. Nadège, tu es tout ce que je n'aime pas. Va te chamailler à 1h du matin. Une femme comme toi, qui pisse Koubé, vous a enlevé le sommeil. C'est une déception pour les ténébreuses. On vous voit courir de partout. Oh, Lolo a fait que... Oh, Lolo qui dit que... Ne parlez plus de la... En parlant de Gluta Cosmétique, ne parlez plus d'elle. C'est en lui faisant la publicité. C'est aujourd'hui que vous vous rendez compte. Vous allez donner la visibilité à Gluta Cosmétique. Oh, ah! Vous avez compris, non? Vous allez donner la visibilité. D'ailleurs, que vous le lui avez déjà donné. Vous avez déjà donné la visibilité à l'entreprise Gluta Cosmétique. Donc vous êtes juste en train de continuer à élever l'entreprise Gluta Cosmétique. Vous avez cru que vous allez tuer Leba Perpétue vis-à-vis de ce contrat, non? Vous êtes donc en train de voir. Wayena Simba. Lolo Pipi. Vous êtes maintenant en train de voir les ténébreux. Wayena Simba. Nathalie a raconté tout. Je vais donc vous dire. Mbappa, Président Mot, et tout son Président Mot, si tu n'es pas au courant, ta conversation a été enregistrée. Si tu veux, je peux te dire point par point ce dont elle a dit. Redmay Bio, bienvenue. Assois-toi, je te raconte. Peut-être tu ne veux pas entrer dans les détails. Patricia Gemel, viens t'asseoir et je te raconte. Ce combat ne me regarde pas. Voilà pourquoi je ne vais pas mettre l'enregistrement. Mais je vais te vous donner point par point. Et s'il manque, Linda, tu publies l'enregistrement là sur ta page Facebook. Rien à foutre. Tu publies rien à foutre. Lorsque
Mbappé a pris la parole concernant la reine Mère Bio, parce que le président Amota a décidé que c'était trop sale, cette histoire. C'était trop sale, pourquoi? Parce que vous êtes arrivé, vous trouvez une guerre. Moi, je suis en train de revendiquer, de dénoncer le mensonge de Jean Lumessan. Vous décidez d'entrer dans le « aide-moi à détester ». Vous voyez alors comment vous êtes bête? Parce que même quand on veut faire le « aide-moi à détester », l'ennemi de ton ennemi est ton ennemi, mais quand il a une guerre avec son adversaire, ne viens pas entrer comme ça, là, parce que tu ne connais pas. La situation peut se renverser très mal. Ça peut se renverser. Voilà, c'est au jour d'aujourd'hui. Lorsque vous êtes arrivé au mois de décembre, il était question au mois de décembre, si je mens, vous dites que je mens, je vends la personne qui m'a donné l'information. Moi, il m'en fout, hein. Moi, il m'en fout. Au mois de décembre, il était question que vous allez utiliser Jean Lumessan et vous allez le déposer au carrefour. Tous les ténèbres étaient pour qu'on clash Jean Lumessan au mois de décembre. Si vous dites que je mens, je dis que moi, vous savez quand je dis que Linda Monnery, parce qu'il exagérait, vous avez trouvé qu'il exagérait. Maintenant, par la suite, les choses ont commencé à se décapoter là-bas de votre problème, de votre côté, parce que vous vous êtes rendu compte, certains parmi vous, Renmé Bio, Patricia Gemel, se sont rendus compte que, mais nous sommes partis dans le cadre où il faut qu'ils nous envoient les choses. Entre-temps, on les cogne les têtes et on réussit à se positionner, on le dépose sur Facebook. Parce que personne d'entre vous ne l'appréciait. Y compris nous-mêmes, vous ne nous appréciez pas. C'était que, utilisons les, faisons en sorte qu'elles se clashent, que les deux camps là, qu'ils se clashent jusqu'à épuisement. Maintenant, qu'on ne bat pas, c'est la peste de la toile. C'est-à-dire que c'est la peste, c'est Mbappa qui a détruit votre team. Ce que la reine Mère Bio dit là, ce n'est pas le mensonge. C'est Mbappa qui a détruit votre team. Parce que quand elle est entrée en contact avec Jean Lumessan, l'ego surdimensionné de Mbappa, parce qu'elle ne veut pas que Maléba soit entendue sur Facebook. Pour elle, je ne sais pas quelle est la jalousie mordicus qu'elle a vis-à-vis de Maléba Perpétue. Voilà comment elle entre donc maintenant corps et âme et pieds liés. Elle cherche donc à convaincre tout le monde tout autour. Lolo étant en Côte d'Ivoire, les appels se faisaient. Les transitions se faisaient. Lolo a dit que je ne suis pas dedans. Moi, je suis occupé ici, là, dans la CAN. Nadège Mbappa est entré pieds et mains liés dans la guerre. Ce n'était plus un contrat qu'il fallait qu'on utilise par Ndiansan pour alimenter le clash entre le camp Ndiansan et mon et notre camp. C'était devenu maintenant que allons défendre par Ndiansan au point d'enregistrer. Je dis bien que Mbappa vous enregistrait tous. Si je mens, Linda Monnery est là. Elle a les informations et les audios de cet enregistrement que je lui ai envoyé. Et comme ça ne me concerne pas, voilà pourquoi il ne peut pas venir mettre ça. Mais si vous dites que je mens, elle publie. Voilà donc comment est-ce que par la suite, les choses capotent, ça se décape là-bas entre vous. Patricia Gemel et Renmé Bio disent que elles ne sont plus dans ça. Il était question qu'on laisse Ngossa et son grand frère se clasher et qu'elles partent juste faire le décryptage et alimenter la haine. Mbappa dit que jamais. Que je vais venir mettre les gangs, je vais payer le problème. Mais sans, c'est mon frère, vous ne comprenez pas. Jusqu'à pas corrompre président Amota de faire la paix. C'est Mbappa qui excite. Elle dit que il faut qu'on arrive. Donc, Ndiansan, si tu n'es pas au courant, tout ce que Mbappa te demandait de faire là, elle t'enregistrait, elle envoyait à ses quotas. Si tu n'es pas au courant, elle te dit alors que tout ce que tu faisais avec Mbappé, elle t'enregistrait. Suite, qu'elle te demandait que il faut que tu fasses un live, tu demandes pardon. Il faut que tu fasses un live, tu remercies la ténébrie. Tu remercies les Russes. Tu remercies, jusqu'à elle te demander que tu n'as pas bien fait. Tu appelles encore, elle t'a rappelé encore pour te dire que rappelle telle personne. Tu dis que merci parce que ce que tu as fait le direct ce jour-là. Après, elle t'a rappelé pour te dire qu'il faut refaire un autre direct de remerciement. Tout était enregistré. Si elle dit que je mens, Linda Morinerie, elle doit avoir l'exclusivité. Elle bombarde ça sur sa page. Je m'en fous. Ça devait se gâter très mal. C'est Mbappa qui est sorti pour dire que le jeu là l'intéresse trop. Qu'il ne faut pas que ça se gâte, que ça l'intéresse. Elle a pris goût. Mais là, je peux supposer qu'elle a pris goût. Peut-être parce que, vrai, vrai, comme elle a gagné le procès vis-à-vis de toi et que tu dis que tu sais qu'elle sent, ça veut dire que tu l'as doigté. Donc, si je veux conclure, Mbappé était en Borigna, c'était en Djomba. Mbappé était en Djombala, Djombé. Voilà pourquoi je vois pourquoi. Au lieu de rester dans le jeu, si moi, Mbomambombo Pipito, Christian de Monaco, on décide que allons jouer avec Maliba Perpétue. On a décidé d'un commun accord à trois que c'est un jeu. Maintenant, Mbomambombo Pipito, elle est pas. Elle prend le problème, elle embrasse le problème. Quel est le lien qu'elle a avec Maliba Perpétue? Pourtant, elle n'a aucun lien. Elle n'a aucun lien. Les deux là se détestaient. Comment se fait-il que c'est elle maintenant qui perd l'embrasse? La reine Mère Bio a dit que non, moi ne me dis pas. Laissez-nous ça se clasher. Donc les enregistrements là, nous avons ça.
Ensuite, quand ça commençait à se capoter, ça se capotait déjà depuis le mois de décembre. Parce qu'il y avait un camp qui était pour et un camp qui était contre. Et le camp qui était contre a décidé de sortir. Après la deuxième étape, réconciliation avec président Amot. Amot, ta conversation a été enregistrée du début jusqu'à la fin. Je te donne un extrait. Lorsque Nathalie Babal est entrée dans la paix, ils ont commencé à se chamailler. Nathalie Babal, Mbaput a dit quoi? Mbaput a dit ceci, je cite. Quand je suis trop énervé sur les gens, on ne peut pas convaincre tout le monde. On ne peut pas mentir à tout un peuple. Tu vas mentir à une minorité. L'autre minorité, là, tu ne pourras pas mentir. Il fallait laisser Nathalie Babalé et Patricia Mel dans leur coin, qu'elles ne veulent pas se mêler dans une histoire de salissure. Maintenant, rappelez-vous très bien que quand l'histoire avait commencé, Mbaput venait donner les fausses informations en disant que Patricia Mel et Gluta Cosmétique ont un lien de sang. J'étais sorti ici pour vous dire que c'est faux. Patricia Mel et Gluta Cosmétique ne s'appelaient pas. Elles ne se connaissent pas. Le lien que Patricia Mel et Gluta Cosmétique ont, c'est un lien professionnel. Écoutez très bien. C'est un lien professionnel parce que quand Patricia Mel organisait les salons Hoche, c'est la Gluta Boss qui était devant, qui avait réservé la table, donc qui était présent en fait. Parce que la Gluta, elle aime bien encourager les personnes qui entreprennent. C'est le lien qu'ils ont gardé. Hormis ça, il est arrivé que Patricia Mel fait dans les poulaillers et que la Gluta Boss aime souvent les poulets, offrir à manger à ses frères et sœurs du Cameroun et autres. Donc, c'est comme ça là que, depuis les salons Hoche, ils ont toujours continué à garder le lien professionnel. Tu viens, tu achètes les poulets et autres. Donc, il y avait, je dis bien que, il y avait rien. Même quand Patrice entendait tous les clashs là, elle, ça la sucrait, elle était, elle, à l'aise. Elle avait quel problème? Vu que je n'ai aucun lien avec toi. Bonjour, grande, c'est pas tout. Je dis que si je mens, Patricia Mel est là. Votre conversation, comment je suis au courant de tous les détails? Votre conversation, Nathalie Babalé et Patricia Mel ont dit jamais. Tu ne vas pas venir nous imposer ton idéologie. Nous sommes partis dans quelque chose où, maman, qui s'entretue là-bas pour nous croire dedans? Nous formons déjà une petite famille. Que d'accepter ce genre de truc, mieux on les laisse s'entretuer. Mbaput a dit que jamais. J'ai toutes les conversations enregistrées. Ça ne vient jamais de la reine Mère Bio. Ça ne vient jamais de Patricia Mel. C'est toi, Mbaput, qui enregistres, tu envoies aux gens. Voilà comment j'ai les enregistres. Et si tu dis que je mens, Linda Moneri a ça dans son téléphone. Elle publie. Oh, ha, je m'en fous de la personne qui m'a contacté pour venir me donner les audios là. Moi, quoi dedans? Je m'en fous, venir vous dire que je ne manque pas. Donc, quand Mbaput vient dire à Patricia Mel que, Mbaput vient dire à Patricia Mel que, tu dis qu'il y a les audios, je ne vous ai jamais enregistré, c'était pour faire ça. C'est faux. Vu que dans la conversation, tu as dit à président Amot, devant toutes ces femmes-là, que quand toi, tu es en colère, tu manques, tu inventes sur les gens. Tu as dit que quand moi, je suis en colère, je mens, j'invente sur les gens. C'est ce que tu as dit. Je peux te raconter toute cette conversation de 5 heures de temps jusqu'au détail. J'ai dit que c'était une grosse honte d'être dans une conversation avec président Amot. Parce qu'une pute ne va jamais changer. Mbaput, tu ne vas jamais changer. Une pute ne change pas. Tu t'es laissé berner. Tu t'es laissé enregistrer. On confisque le mari de quelqu'un. Plus de 6 heures de temps au téléphone. Pour des conneries de femmes qui n'ont rien à voir. Quelle Russie. La reine Mère Bio aujourd'hui vous tient tête. Sois venu dire que je veux être l'avocat, je suis l'avocat de Gluta Boss. Ça n'a rien à voir parce qu'elle avait dit dès le départ que qu'il s'entretue. Moi, ça ne changeait rien à ma relation avec la Gluta Boss. Vu que je ne vais jamais m'attaquer à la Gluta Boss parce qu'on n'a pas de problème, je ne m'attaque pas à elle et je ne m'intéresse pas à ce qu'il arrive sur les réseaux sociaux. Ce qui nous lie, ce n'est que tu viens, tu me payes mon poulet, je te livre les poulets, rien d'autre. Il n'y avait pas de lien. Il n'y a aucun lien entre les deux. Aucun. Donc, c'est le fait que Mbaput soit venu alimenter le truc. Augmenter la dose qu'il ne fallait pas, que Patricia Mel a dit que non, mais attends un peu. Une vieille mère comme moi, vous allez venir me dicter. Cela commence à tourner dans la tête de Patricia Mel que boum, boum, elle a décidé que je sors. Mbaput aussi dit que comme c'est comme ça, il faut que je me rallie. Je prends ce que je peux prendre là parce que c'est quelqu'un qui est un peu... Mais comment vous pouvez donner votre... Vous pouvez mettre un porte-parole comme Nadège Mbaput, une illettrée, une personne qui ne sait pas parler français, une personne qui ne peut... Mais attendez un peu, mais il faut les personnes comme Reine Mère Bio et Patricia Mel pour comprendre qu'une personne qui n'a pas fait l'école ne peut rien vous apporter. Il faut une personne comme ça. Parce que quand elle est venue là, elle veut tout montrer que c'est moi qui est devant. Je connais tout le monde. C'est grâce à moi qu'on a fait tout. Les trucs de quoi? De Facebook, qu'il n'y a aucun salaud, aucun trophée.
Aucun salaud, aucun trophée, il n'y a rien dedans. C'est comme ça qu'elle a décidé qu'il faut qu'on monte toute une histoire pour salir Patricia Mel et la reine Mel Bio parce que elle ne avait une promotion offerte par Duta Cosmétique et la nuit du chic et glamour qui vous êtes organisé par les dames venues d'ailleurs, vous invite avec Ruth Cotto, Oshiga et Maliba Perpetu. Moi, je ne manque jamais. Vous avez dit que même dans le mensonge, non. Je ne connais pas moi, Vini Mantis. Quand il dit que je veux parler de quelque chose, je vous dis que j'ai dit que quand il dit que c'est le Congo, c'est vous dit que voilà le Congo ça. Et le Congo ça qu'il dit là, ce n'est pas faux. Amot a bien été enregistré. La conversation de 5 heures de temps a été bien enregistrée, bien et nette. Donc, l'entreprise d'État cosmétique, Amélie, et Patricia Mel n'ont aucun lien. Donc, pendant ça, sache que le revers de la médaille là, ça va chauffer sur Facebook. Parce que ma pute t'a piégé dès le départ. Il était question de te piéger dès le départ. Tu as bien été piégé chez les ténébris. Bien et belle. Donc, tout ce que ma pute te demandait de faire, il faut aller te réconcilier avec Amot. Elle met derrière, elle appelle Amot pour dire qu'il faut qu'on fasse comme ça. Elle quitte, elle part, elle t'appelle, elle te dit que fais le direct, tu remercies tel. Refais le direct, tu remercies tel. À la fin, tu étais devenu téléguidé. C'est ma pute qui te téléguidait. Tu as alors vu que tu n'es pas un homme. Tu vois donc pourquoi est-ce que Patricia Mel a dit que quand on se clash, elle ne se mêle pas. Elle continue à te clasher une place. Elle continue, elle a clashé son détracteur qui est Maliba Perpetu. Elle a dit cash que le simple fait que Maliba dit que Patricia pardonne-moi, ça ne veut pas dire que il y aura plus de guerre. Donc si Maliba lance que vup, il se relance, c'est parce que personne n'a peur. La glutabos, comment dire que l'école est bien. Elle est restée donc elle a dit que bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Patricia me défend. Rémi Bio me défend. Ah, je vois que c'est des personnes intéressantes. On n'a aucun problème. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller rigoler avec elle, non? Allons dans la base professionnelle. Nathalie Babalé était intéressée par le glutathion, l'hyposo, molle. Prenez ça. Babalé, elle était intéressée par le glutathion, l'hyposo, molle. C'est comme ça que Glutaline dit, ah, moi, je ne trouve aucun problème de vendre mon glutathion. Même à mes ennemis, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu veux? Nathalie passe à la commande. Glutaline livre à la marchandise. Et la marchandise se fit vendre. Applaudissons très, très fort pour la stratégie commerciale. Encore, vous savez que quand j'applaudis très, très fort comme ça, il faut que je danse. Je chante d'abord. C'est bon. Quand on accouche, l'enfant n'accouche pas le cœur. Donc, tu peux dire à l'enfant que ne touche pas le courant. Mais ça ne veut pas dire que quand tu vas laisser l'enfant, l'enfant va obéir à ce que tu lui as dit. Il faut que l'enfant parte toucher pour sentir que le courant peut aussi frapper. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, Patricia Mel et Reine Mel Bio vous frappent correctement et bien. Et sachez donc que le lien qui les unit avec Amélie de Gluta Cosmétique, il n'y a aucun lien. La Reine Mel Bio a dit que, oh maman, moi, on me demande qu'il faut que je vienne insulter une femme que je ne connais pas. Je viens salir quelque chose que je ne connais. Pour quelle raison je vais venir salir? Amor, ma co, pardon. Elle n'a pas regardé que Ngosa. C'est mon ennemi. Je dis bien que, il n'y a jamais, la reine est bio pour vous dire, il n'y a jamais eu d'appel qu'on est resté, on a appelé la reine est bio que, oh, on veut la paix. Oh, c'est monté. Oh, c'est des, il n'y a jamais eu ça. Jamais. Elle s'est levée, elle a dit que je m'en vais moi. Elle n'avait aucun rendez-vous avec Ngosa. Vous entendez, non? À l'hôtel Napoléon. Elle n'avait aucun rendez-vous avec Ngosa à l'hôtel Napoléon. C'était qu'elle m'en avait soutenu ma boss, Glutaline. Par la suite, je vois si les produits peuvent m'intéresser pour les écouler au Canada. C'est tout. C'est tout, il n'y avait rien. Donc, la Gluta Boss, dans sa stratégie marketing, a dit, toute publicité, elle est bonne. Donc, actuellement, pendant que vous clashez, la reine bio sort son glutathion liposomol. Elle vend son glutathion liposomol au Canada. Ah non. Exposer la vie de paradoxal. Aujourd'hui, non. Maman, c'est pour moi. Vous avez donc vu que... En conclusion, les qui sortent gagnants.
la Russie, la Russie. Jusqu'à, je dis que, ma pute, même quand tu insultes, ça n'a pas le goût. Mais la loi, mais la loi, mais la loi. Avec ta perruque, tu mets toujours un côté. Mais la loi, mais la loi, mais la loi. Moi, je suis l'avocate, n'est-ce pas, Patrice? Ça t'a appris un gros mot français, maman. Petitesse, tu viens avec ta petitesse. Voilà le seul gros mot français. Oui, oui, ya. Maman, oui, oui, ya. Et dit que là aussi, là aussi. Vous savez donc, quand on veut faire le mauvais quai, quand on veut faire le mauvais quai, la Russie, la Russie, quand on veut faire le mauvais quai, quand on veut monter là, c'est pas des mandos, des ténébreux. J'ai dit que les abeilles, vous m'envoyez pour monter là, c'est. Il est parti demander au ténébreux, vous me connaissez, non? Vous connaissez que Ngoma Bo a toujours faim, non? Vous ne m'envoyez pas. Il n'est pas demandé à l'Ofombo, maman, j'ai faim. Il dit que les Jérusalem, la team Jérusalem, vous ne me donnez pas le tatasing. Il n'est pas parti demander au Bonayuda que j'ai, maman, j'ai faim. Oui, aïe, on va voir. Non, c'est bon à moi. Encore pas. Tu voulais diriger. Lolo Bibi, il dit que tu as perdu deux générales. Tu as perdu. Patricia même va me venger, elle va te dire que chie. Non, Patricia même va me venger, elle va te dire que chie. Non, à chie. Aïe. Il dit que votre clash est bon à moi. C'est bon à moi. Elle m'est bio. Oh yango, maman. Ting ting pantalon, ma. Aïe, lolo pipi. Tu es devenu ting ting pantalon, ma. Ting ting pantalon, ma. Ma favou. Ouais. Vous avez dit que la reine met bio. Qu'elle se connecte seulement aux heures de la France, sinon. Maintenant, vous avez dit que me connecte aux heures du Canada. 1h du matin, 1000 poussières de personnes en live. Vous êtes en train de l'écouter. J'ai dit que la reine met bio vous a dit que, ok, vous êtes en train de dire que je me connecte maintenant aux heures de la France. C'est terminé. Maintenant, vous allez marcher à mon rythme. 1h du matin, 1000 poussières de personnes connectées. Écoutant la reine Mébio vous clasher et vendant ses produits de la marque Glutathione. En anglais, on dit Glutathione. Aïe, 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 rêve, rêve, aïe, 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 rêve saleté. Rêve saleté avec ding ding pantalomba. Je suis pas content. J'arrête de rire, je ris plus avec vous. Vous avez compris? Vous avez compris avec quoi? Je ne ris plus avec vous. Vous avez recherché mon abonnement internet sur moi. Bande de sapins. Vous avez recherché mon abonnement. C'est quoi? Sortez de cette petitesse. Vous n'avez pas honte de dire dans ma petitesse. Aïe! Ouais! Donc, Jean-Louis, attends que ta guerre fatale arrive.
Ta guerre fatalité, je suis venu te dire que tu as tes enregistrements au chaud, donc au froid, je ne bats pas. Donc attends que tes enregistrements arrivent. La Russie va bien t'écraser. Il dit qu'ils vont t'écraser correctement et bien. Parce que leur stratégie du départ était très bien. Tu dis la stratégie du départ là, non? C'était la meilleure des stratégies. Mais par la suite, ils ont voulu mettre... Mbappé a mis le démon, le diable. C'est Mbappé qui a mis le mauvais esprit dans la stratégie là. Voilà pourquoi ça s'est gâté. Voilà pourquoi ça s'est gâté. Donc je dis que Mbappé ne dit plus qu'il n'y a pas les enregistrements. Il y a bel et bien des enregistrements. Moi, j'ai les enregistrements. Linda Moneri, les... Oui. Et vous avez dit que maintenant, j'ai fait la paix avec tout le monde. Ici, une place. Vous avez compris, non? Maintenant, ici, une place. Il va appeler Lolo Pipi et demander à Ting Ting Pantalon. Bah. Que va recharger mon abonnement? Il va l'appeler Ngoma Kande à Pipitologue. Que je vais recharger mon abonnement. Bon. Sur ce, rendez-vous le 30 mars du côté de Nantes à une vente privée de 14, de 10h à 17h. L'adresse est juste sur l'écran et le soir, vous aurez dès 19h des artistes camerounaises, Ruth Koto, Oshiga et Maliba Perpétue. Réservez juste au numéro indiqué sur les différents flyers qui sont là. Et ceux qui sont du côté du Canada, vous avez besoin de vous procurer votre glutathion, vitamine C, complément alimentaire, etc. Vous avez votre représentante qui est la Reine Mère Bio. Actuellement, le maillot jaune de Facebook. Je vous fais des gros bisous, je vous aime et... Je dis à tous ceux qui veulent bien m'accompagner à recharger mon abonnement internet de le faire à travers l'application TapTap, c'est en utilisant le code promo bio 237 qui est le code de Nicole Ketia.